dans les incroyables aventures c'est ça? du Captain. 4K, ouais. Ça, ouais. 4K. Hello, 4K. Bitches. Later, bitches. C'est des putes qui veulent rentrer en boîte. Est-ce que tu me laisses rentrer en boîte si je te montre? Hop, hop, hop. Ça attaque un peu trop vulgaire pour un début de vidéo. Faisons un petit fast backward pour la traditionnelle montée qui me sert à présenter lieu et personnage. Nous voilà donc, ouais. Chouche, Francis et moi, à Seyonnaz. Petite bourgade tranquille du Bugey qui domine à la fois non, le majestueux Rhône et la très atomique centrale du Bugey. Oui, on prononce bien le Z à la fin, sinon à quoi bon le mettre? Et c'est pas les Parisiens qui me diront le contraire. C'est un chemin à suivre. Oh, ça sera un multicam. Bande de vénards, petit Jocris. Ouvre le dicos, tu sais pas qui c'est. Vous vous rappellerez peut-être que j'ai déjà roulé ici, il y a quelques années en arrière. Vous vous souviendrez aussi que je ne garde qu'une mémoire parcellaire des chemins, ceci ne faisant pas exception à la règle. Ah, ça va pas mal. Ouais, c'est pareil là. Ouais, c'est pareil. Ouais, il y a du poids qui bosse, c'est beau. Le premier client du jour, c'est le single du facteur. Il en existe un dans chaque bourgade digne de ce nom. Et je me dis que les gars, dans le temps, des bien s'éclater. Maintenant, ils distribuent le courrier dans des berlingots jaunes et sur des vélos électriques de 50 kg. Le tout sobre. Jacques Tati et Danny Boone se retournent dans leur tombe. Ah merde. Wow, oh putain, les rats, celle-là. Tout droit, ça va bien aussi, là. Ah ouais? C'était pas le single Pierrier tout droit là? Non, c'est après encore, non? Ah, y'a moyen de faire. Je sais pas, la dernière fois on était allé tout droit, mais comme tu veux. Parce que là, ça refait un truc et ça fait une grande descente super allez, rapide. Allez, ça va. Et au bout, y'a encore une épingle, je crois. C'est à droite là? J'ai omis de le préciser plus tôt, mais Chouche a déjà roulé ici. Et apparemment, on a pris les mêmes chemins. Mais sans prendre les mêmes chemins. Caillou mou. Ah, je suis là. Oh, le cochon, il va vite. J'ai peur. Ouh, il freine, je sais pas pourquoi. Ah ouais, si, je sais pourquoi en fait. Il a bien pris. Ah, c'est là. Ouais. Oh, c'était bon ça, le speed. Ouais. Ah merde. Là, il y avait du gueule. Plein de variantes possibles, c'est fun. Mais le clou du facteur, c'est sa gravière, quand on trouve l'entrée. Eh ouais, Rhône plus plutonium égale végétation luxuriante. Par là, François, hein, fais gaffe. Yep. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est là, François. T'es allé trop loin! Mais avant d'attaquer quoi que ce soit, je vous laisse avec ce magnifique dialogue. On dirait du Audiard. Ça m'a fatigué de remonter. Donc là, on plonge là. Hein. Ouais. C'est la raide un peu, non? Ouais. Non. Mais ça s'enfonce, tu vas voir. Il y a un bon gauche. J'ai un peu peur de me la coller en bas, mais. Mais non. Moi, tu freineras. Frein arrière, pas de frein avant. Il n'y a qu'ici que je n'ai jamais vu ça. Et bon Dieu, c'est royal. Alors si toi aussi tu connais une gravière, n'hésite pas à partager le coin parce que j'ai bien envie de la faire. Ah, ça c'est bon! C'est bon, hein? Pour, il n'y a pas de risque de perdre la langue. Non. Tu sens cette odeur? C'est le calcaire qui a frotté. Tu sens? Ouais. Ça sent un peu la carrière. Alors, on peut éteindre ça? Maintenant, hein, vous êtes chaud, cher spectateur. Retour à la grivoisité. 4K. 4K. Hello, c'est des putes qui veulent rentrer en boîte. Et là, t'as le videur qui dit Lala, bitches. Petit point météo. Eau chaude du Rhône plus air froid égale brume. CQFD Alain Gilopétré. Et je kiffe la brume. Mystérieuse, reposante, inquiétante, relax. Ah ouais. Propice à la pousse du boletus et du lys. Oh, il est un peu bouffé. Hein. Ah non, rien à voir avec la brume. C'est plutôt le bord radioactif, ça. Quelle ambiance. Arrive ensuite sur la liste, hein, le bien nommé Labanne. Au bout, ça fait un droit, je crois. Pardon. Ah, okay. Pardon, les gars. Pas de soucis. On a fait télescoper, là. Ah ouais. Je disais, maintenant, on va se faire la banane. Dit comme ça, c'est étrange, mais c'est pas moi qui nomme les chemins. J'ai déjà du mal à m'en souvenir, de toute façon. Ah,
Ouais, c'est là. Et c'est bien ça, droite. Mauvaise indication, problème gauche-droite, je suis bon pour un bilan orthophonique. Bon, on verra ça plus tard, car présentement, on va se contenter de kiffer la banane avec la banane. Ah, je comprends mieux maintenant. Oh là là, oh oh. C'est le genre de chemin qui demande de jouer avec. Pas de chrono ici, non. Mais plutôt un bon doigté et de la glissade sur la banane. Ah, ça sonnait mieux dans ma tête, ça. Oh, le travers en roue avant. Ah, ah. On voit rien. Ah, c'est juste à hauteur de la gueule. Ça fouette. Grave. Ah. Il n'y a pas d'appui. Ce qui est dommage ici, c'est que le chemin se referme un brin. Alors, Aspai, vous pensez que les locaux, et je sais qu'ils écoutent, seraient passés pour mettre un petit coup de tailleux avant qu'on vienne? Non, que dalle. Oh. Ah, c'est un peu à l'aveugle, hein. Eh, ça va, il n'y a pas de ronces. Ah, si, il y a des ronces, là. Avant d'enchaîner, je vous remets un petit coup de Audiard. Ah mon dieu, j'adore ces dialogues de soir. Fais gaffe, il y a un trou. C'est vrai ? Non, je déconne. J'en sais rien, je m'en rappelle plus. Si, je crois qu'il y a un moment, il y a un trou, mais on va s'arrêter avant. Il y a un trou ? Non, ça passe tout, je crois. Ouais, c'est plus loin, ouais. On laisse la banane derrière nous et on enchaîne avec la suite. Ouais. La paysanne. Ah, mon dieu, les gars, aidez-moi, là. On dirait le nom d'une pizza chèvre jambon de pays. Ah putain, il y a des appuis, hein. Oh. Bref, la paysanne, ça se partage là. Non, mais qui m'écrit ces daubes? Ah oui, c'est moi. Allez, on reprend. Ma momie, mon but. La paysanne, c'est un sacré morceau, mais sans champignons, et qui s'enfile à la vitesse de l'éclair. La qualité de ce script laisse à désirer. Putain, c'est fantastique. Le feeling avec le vélo, là, c'est génial. Hein. Je crois que là, c'est à droite, là. Me semble-t-il... Non, là, là. Vas-y, vas-y. Heureusement, allez, il nous reste le capitaine, avec ses explications, au mieux approximatives, et surtout son maillot qu'il a mis à l'envers. Remarquez, ses rapports avec la qualité du script, tout ça. Oh. Faut tourner, faut tourner. C'est beau, hein? Ouais, joli. Fast, fun, loose et en dévers, la paysanne en a sous la croûte. Oh putain, la roue arrière, c'est moi, j'ai fait une bouteille de gueule. Oh, bien joué. C'est un sacré plat principal. Long et testé, motherfucker. Ah ouais. Ah c'est... Putain, je me rappelais pas qu'elle était si longue. Ouais, ça va. Ah oui, c'est à l'en... Regarde, à l'inter. Ah mais oui, j'ai pas vu. Ça passe de tous les côtés, il me semble. Je vais prendre la droite parce que je vois pas bien ce qu'il y a à gauche. Mais... Gauche après, ouais. Par contre, ouais, ma roue avant est toute desserrée, n'est-ce pas? Ta roue avant est desserrée? Tu peux la resserrer si tu veux, hein? Moi, je vais passer à la droite, mais bon. Et comme toute bonne pâte qui se travaille avec amour, la portion finale est de loin la mieux chépée. Avec ses épingles serrées et sa grosse pente à l'ancienne. Bien joué! Elle ne manque pas de sauce piquante! Bon, je crois que j'ai fait le tour des jeux de mots de pizzaiolo. Yes. Attendez une minute, il me dit quelque chose dans l'oreillette. Non, c'est pas possible. Breaking news, motherfucker! Apparemment, la paysanne ne serait pas le nom officiel de cette piste. Oui, messieurs, dames.
Son patronyme de jeune fille serait Marius. Alors Strava dit paysanne, Trailfort dit Marius. Mais comme j'ai rencontré le shaper officiel de cette piste et qui m'a confirmé qu'elle s'appelait Marius, on va plutôt partir sur Marius. Quant aux 2-3 petits plaisantins qui ont rebaptisé Marius la paysanne, c'est pas très sympa de votre part. J'aime les calembours grotesques, mais la discrimination, ça non, nos passaranes. Marius la paysanne, c'était sympa. Mais il se trouve-t-il qu'on a encore un petit peu de jus dans les jambes. Certes, on vieillit, c'est inéluctable et c'est notre lot à tous. Mais on avait encore envie de faire le facteur une fois, d'autant plus qu'on était garé en bas. Ah ouais, alors ça, il est parti lui. Il va falloir astiquer. Est-ce qu'aussi pas d'entourloupe? On va faire que les singles pierriers. Ou les pierriers singles, je vous laisse décider. Celle-là que j'ai pris tout droit, non? Putain, ça grippe, hein? Ouais. Comparé à tout à l'heure, ça grippe à mort. Eh ben c'est pas grave. Ouais, c'est que la carte est pleine. Oh yes. Oh yes. C'était énorme! Aïe 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 aïe, elle est con alors! Oh la gavade! Oh grave! C'était énorme! Ah c'est trop bien! Je vais m'autoriser une analogie un petit peu piquée des hannetons. Mais le vélo, c'est un peu comme le jeu vidéo. Les héros cheminent, vaille que vaille, le long d'un chemin semé d'embûches et de périples, pour accéder à ce qu'on appelle un boss de fin. Et là, le boss de fin, c'est un barbelé. Ouais. Eh ben, pas c'est moche. Jette le vélo. Merde. On a beau être level 40, équipé de la panoplie de Tancred et l'épée broyeuse du roi immortel. Oups, pardon. La fin de sortie qui se termine aux urgences. Ce maudit barbelé a failli nous rompre les os, nous crever les yeux et fracasser nos bikes. Mais rassurez-vous, nous avons triomphé. Et dans le coffre magique à la fin, il y avait une bière. Qui ne rime pas avec réconfort, mais c'est pareil. Moins vite, c'est tout. Allez, ciao bye les potes, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite sur le vélo. C'est les plans à la Tarantino là, quand ils sont tous au-dessus du coffre de la bagnole, en train de c'est exactement ça là. Il y a un mec à B, un truc dégueulasse pour ça.